Bon, Benny, faut qu'on parle. Ok. T'es un gros garçon maintenant, hein? Hein, ça te fait quel âge maintenant? 15. Parce qu'avec tes oncles, on s'est dit, Benny, faut qu'il devienne un homme. Parce que tu sais, quand on t'avait dit que t'étais né dans un chou et ta sœur dans une rose. Ouais, ok. Bah, c'est pas aussi simple que ça. De quoi? Ton corps change, Benny. La moustache, les poils, ce n'est pas sale. Bon, on va faire un petit contrôle de connaissance. Le papa met la graine dans le ventre de la maman. Et font des bisous. Une fois, j'ai fait des bisous sur la bouche. Bah, c'est un bon début, ça. Bon, avec tes oncles, on a pensé que le moins traumatisant serait peut-être de voir un documentaire animalier. L'éléphant est un mammifère ongulé du sous-ordre des proboscidiens, vivant selon l'espèce en Asie ou en Afrique. Avec une hauteur de 2 à 3,70 m et un poids atteignant 5 ou 6 tonnes, l'éléphant est le plus gros animal terrestre actuel. Son énorme bite peut mesurer jusqu'à 4 mètres et peser 145 kg. Chacune de ses couilles emplirait à elle seule une petite camionnette. Quand il balance sa purée, le jet peut atteindre la vitesse ahurissante de 24 km à l'heure, ce qui représente la moitié de la vitesse d'une bonne mobilette. Quand l'éléphant s'astique sa grosse bite, toute la savane tremble. Ses grosses couilles ballottent comme des bateaux de noix dans la tempête. Et l'éléphant a intérêt à avoir la chatte en cuir et pas en papier crépon. Des fois, l'éléphant encule un autre mâle, mais c'est très rare. Il a été observé en une année dans la réserve de Ugunda, 30 cas d'enculade sur 1200 individus recensés, ce qui est relativement peu. Par contre, souvent l'éléphant se branle contre le tronc d'un arbre que les indigènes appellent le Nyafango, l'arbre à branlette. Bon bah je sais pas ce que vous en pensez. Moi j'ai trouvé ça assez complet, on voit bien tous les aspects. Non mais c'est sérieux parce que ça va influencer toute sa vie d'adulte. C'est mieux que si tu découvres ça tout seul. Sur internet il y a de ces horreurs, je vous raconte pas. Enfin j'imagine hein. Moi j'ai des forces d'ivoire. Alors si tu as d'autres questions, surtout n'hésite pas. Tonton José se fera un plaisir d'y répondre. Hé, tonton José, j'ai pas compris pourquoi l'éléphant, il encule l'autre éléphant. Non, mais attends, excuse-moi, ce que je te propose, c'est d'y réfléchir dans les prochains jours. Et dans 15 ans, quand tu seras devenu un homme, tu nous seras reconnaissant. The following takes place 15 ans plus tard. Visible dans les hautes herbes de la savane africaine, le guépard se rapproche silencieusement de sa proie. Isolé, loin du troupeau, la gazelle sent le danger. Benny, Donnie est là. Mais trop tard, le guépard bondit. Il l'encule. Benny aime les animaux.